C'est parti, j'arrive, c'est parti mon kiki. Let's go. Voilà, là on lave le lobby. C'est les lunettes ça. C'est que les lunettes. Imagine, j'ai pas le bac. Wesh. T'es un... Ça va ou quoi? Vous savez pourquoi je suis surexcité là? Imagine, je l'ai pas. Imagine, j'ai pas le bac. Comment vous dire? L'école, ça a toujours été très important. Ça a toujours été très important, même avec YouTube. J'ai commencé YouTube en 6ème. Donc déjà, tu vois, ça fait longtemps. Tu vois. L'école, j'ai toujours travaillé. Mes parents, ils me disaient, ouais, t'as pas le droit de jouer aux jeux vidéo, sauf le week-end et le mercredi après-midi. Du coup, tu vois, je pouvais pas geeker non plus trop souvent. Et au fur et à mesure des années, c'était toujours pareil. L'école avant tout, pareil, on était sur YouTube encore, en seconde, etc. Seconde, première, j'étais encore sur YouTube et ça commençait à marcher. Vous étiez de plus en plus à vous abonner, etc. L'école avant tout, le bac. Moi, vous savez, à l'école, j'ai eu j'avais des facilités, j'arrivais à gérer les deux, tu vois. J'arrivais à les gérer les deux, même si c'était parfois compliqué. Je devais réviser les contrôles le matin et il fallait assurer le bac. Ma mère voulait que j'aie mon bac. Je voulais avoir mon bac. Mon père voulait que j'aie mon bac. Et qu'est-ce qui se passe? 2020, l'école se passe bien. Je commence à stresser. Je me dis, putain de sa race, je vais devoir travailler tout l'avril pour avoir mon bac. Mais moi, j'étais dans une optique que il faut quand même que toute la journée, je travaille régulièrement pour avoir mon bac. Qu'est-ce qui se passe? 2020, l'année du chétan. Du gros chétanus. Il y a un chétanus qui est arrivé. Il s'appelle le Covid-19. Le Covid-19, il est arrivé dans nos vies. On arrive en mars, on me dit pas école pendant 2 semaines. Ok, frérot, pas de soucis. Pas école pendant 2 semaines, c'est carré, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, bah on va pas en cours. Petite vacances de 2 semaines. 2 semaines après, Monsieur Macron, le président de la République française, nous allons être confinés pendant 2 mois. Alors là, où les élèves du monde entier se demandaient si c'était réel, si ce qui se passait était vrai. J'étais le premier, j'étais en live, on me dit pas cours pendant 2 mois. Alors là, oh là, c'était incroyable. Au début, on se rendait pas compte, finalement, on n'est pas allé en cours pendant 3 mois. Les révisions du bac, ça se passe comment? Eh ben mon frérot, contrôle continue. Mais là, quand j'ai appris ça, c'était la fiesta. Les gars, quand on a appris que le bac, le brevet, tout ce que vous voulez, c'était au contrôle continu, frère, c'est trop. Bon, ok, il y en a qui disent, bon, vous connaîtrez jamais le vrai bac, qu'est-ce que c'était? Je suis d'accord avec eux, on connaîtra jamais, mais on est des putains de voleurs. On a fait le braquage du siècle, le braquage d'une vie. On est quand même une des seules générations, on n'a pas passé le bac. C'est une dinguerie. Si tu réfléchis et tu te rends compte de ce qui est en train de se passer, on a eu le bac gratos. Donc là, si j'ai pas mon bac, vous m'insultez tous. Si j'ai pas mon bac, alors qu'on me le donne, hein. Comment je peux pas l'avoir si on me le donne? C'est catastrophique. C'est une honte. Je suis la honte de la France. Si là, je vais aller voir les résultats et que je l'ai pas, mais je suis la honte de la France. J'ai eu des bons trimestres. J'avais une bonne moyenne. Je devais avoir 12 de moyenne à chaque trimestre. 12, 13. Surtout dans les matières scientifiques, j'étais chaud. Moi, j'ai fait bac S. J'ai fait bac S, les gars. Donc tu vois, pas de révision. J'ai pas révisé, gros. Tu me demandes un calcul, même Pythagore, je sais plus le faire. Je sais plus rien faire. Mais je vais avoir mon bac. C'est ça qui est beau. C'est donné. La République française est belle. Elle nous a donné le bac. C'est une dinguerie. Non mais c'est trop. Je vous jure, c'est trop. Donc maintenant, on va regarder les résultats. Les résultats del baccalauréat. On va descendre petit à petit pour voir la note que j'ai eue dans chaque matière. Allez, c'est parti. On descend. Le premier truc. Français écrit, j'ai eu 20 points. Ça représente 10 sur 20. Ça veut dire que j'ai eu 10 sur 20 l'écrit. Bon, ça, les gars, vous savez que à l'écrit, je l'avais déjà fait, mon truc d'oral. Enfin, j'avais déjà découvert mon bac de français. Bac, j'avais eu 10 à l'écrit en français et j'avais eu 12 à l'oral. C'est multiplié par 2 parce que le coefficient est par 2. Histoire géo. La quiche que j'étais en histoire. Mais je suis une quiche. Je déteste cette matière. 10 en géo. J'ai eu 10 en géo. C'est de la merde. C'est de la merde. J'aurais pas eu mieux au bac. J'aurais pas eu mieux parce que la géo, franchement, c'est pas pour moi. Qu'on a eu 10 sur 20 en géo. F3, ça fait 30 points. Ensuite, mathématiques. J'ai eu 77, j'ai eu 11. C'est pas ouf. En S, 11 en maths, c'est pas ouf. Ah, tu vois, au bac, je pense que j'aurais eu plus parce que je me serais tué, mais j'étais pas foufou en maths toute l'année. C'est pas bon, c'est bien, mais c'est pas ouf, tu vois. Physique, chimie. Physique, chimie, j'ai fait un braquage. J'ai eu 16, les gars, j'ai eu 16 en physique. Mais non, mais je suis trop chaud. Bac S, 16 en physique. C'est une dinguerie. Ça, les gars, pour le coup, vous. Là. Là, j'ai eu 16 en physique-chimie. Ça, c'est une dinguerie. 16. 16 en scientifique, je suis refait. Ça, c'est carré dans l'axe. Ça, je prends. Le 11 en maths, on n'a rien vu. La physique, ça rembourse. Ça, c'est carré. Ça.
Eh, la physique dans le cœur, mon ref. La physique dans le cœur. SVT, SVT, 90 points. Oh, j'ai fait un braquage. J'ai eu 15 en SVT. Oh là. Oh là là, mais je suis un scientifique. Appelez-moi Wegener, je suis un scientifique. 1 sur 20, mon ref, c'est une dinguerie en scientifique. 1 sur Einstein, ouais, Einstein, Wegener, tu connais la théorie des continents. Ah, anglais, c'est pas mon truc. Ça, l'anglais, même à l'oral, je l'aurais passé. Ah ouais, non, mais ça, je te dis, l'anglais, c'est pas du tout mon truc. Regarde l'anglais, frérot, 9 sur 20. Faut que je m'entraîne en anglais, c'est trop important. Les gars, faites pas n'importe quoi en anglais. L'anglais, c'est important dans la vie. C'est le futur. Faut parler anglais pour votre job et tout. Mais moi, je crois que je l'ai mal compris, ça. Quand on me disait d'apprendre à parler anglais, C'est rincé, c'est nul à chier, gros, en anglais. Normalement, en anglais, t'as 15. J'ai 9. Ah, mais je vous avais dit, c'est pas mon truc, les langues. Tout ce qui est français, anglais. Déjà que je sais pas parler français, comment tu veux que je parle anglais, gros? Déjà, anglais, ça dégage. Attention, y a pas eu le plus beau. Je pense que le plus beau, ça va être l'espagnol. Parce que l'espagnol, j'ai vraiment rien foutu de l'année. Oh, j'ai eu 13. Non, mais attends. Ah, mais oui, c'était ma. Ah, oui. Des fois, j'avais des 0 et des fois, j'avais des 20, mais je comprenais pas pourquoi. J'ai eu 13. Hello, mi hermanos. Comment está? Comment está la vida? La vida loca? La vida lo mucho dinero? Con un 13. J'ai eu 13. La vida loca? Oh, 13 en espagnol, mais c'est la vie. Eh gros, je suis bilingue. C'est une dinguerie. En vrai, je pense que les gens ont eu 20 et tout, et je suis vraiment dans la merde. Enfin, je suis vraiment en bas, tu vois. Les gens ont dû avoir des meilleurs trucs, mais la vida loca. Philosophie. Ah bah. Philosophie, je suis fier. Vous allez tous m'insulter, les frérots, mais 11 sur 20 en philo. Je suis désolé, les gars, mais vous pouvez m'appeler Aristote. Je suis un philosophe. On enchaîne. Je crois qu'il reste que le sport. C'est ma dernière note, sachant que le sport, j'ai passé course d'orientation, ping-pong, et 3x500. 3x500 mètres, pour ceux qui font du 3x500 dans le chat. 3x500 mètres, j'ai fait un temps de 1 minute 29. C'est bien ou pas, les gars? J'ai fait 1 minute 29 en 3x500. Quoi? J'ai eu 16? Non. Ok, j'appelle mon prof. C'est trop, frère. C'est trop. J'ai fait 1,29 en 3x500. Comment j'ai 16? Oh non, mais je suis dégoûté. Mais c'est trop. Aux orientations, j'ai trouvé toutes les balises avant tout le monde. Je suis arrivé 20 minutes avant. Et j'ai fait 3x500, j'ai fait 1,29. Non, là je suis pas d'accord. Là je suis pas du tout d'accord. Vous pensez j'avais 18? Non, là je suis claqué. Là je suis la honte de ma classe. Quand on va me demander t'as eu combien en sport, tout le monde va dire 19 sauf moi. C'est tout le temps comme ça. J'ai trop le seum. Le sport c'était moi, gros. C'était pour moi le sport. Je pensais j'allais avoir un truc de ouf. Informatique, science du numérique. Ça c'est ISN. Ça veut dire un peu. C'est un tout ce qui est un peu dans le développement, programmation, ordinateur. De quoi est composé un ordinateur, tout ça. Moi c'est un peu le boss. Voilà, on est clairement les boss. 17 en sciences informatiques. Du numérique. Voilà, après c'est pas grave. En vrai, je rigole, j'avais que des 20 parce que c'était des contrôles trop faciles et normalement, devait y avoir un projet final à la fin de l'année sur l'informatique, sciences du numérique, mais je l'ai pas fait parce qu'il y avait le confinement et du coup, 17 gratos. La moyenne, ah, c'est une dinguerie ça. Sciences du numérique, on est chaud. Tu peux m'appeler Dobby. Ah bah ça, oui, ça c'est pas ouf. Je suis quand même le mec qui a eu 12 en TPE. Alors normalement les TPE, c'est un truc que tout le monde a des 20. Mais moi non, TPE, je me suis tapé un 12. Parce que en fait j'ai rien foutu. J'ai fait un TPE sur la réalité virtuelle. La réalité virtuelle est-elle un vecteur de nouvelles pathologies ou un truc pas thérapeutique? Bon, t'as capté. Ça s'est passé comment? L'exposé, j'avais pas mon casque de réalité virtuelle. Je suis venu avec un casque en carton. J'ai créé un truc chez moi en carton avec une boîte de Nike. J'ai décontourné, j'ai fait un... pour faire genre on est en immersion pour l'exposé. On s'est tapé 12, bon c'est compréhensible, on y allait un peu à l'arrache. J'ai vraiment fait un casque en carton. Je vous le retrouverai, je vous le mettrai sur Insta. On l'avait fait en carton le casque. Ouais putain, je mérite mon 12 en fait. Logiquement, c'est la dernière note les frérots. A priori, en matière scientifique, on a eu 11, 16 et 15. Donc, on a d'être ça. On a clairement d'être ça. Normalement, j'ai la mention. Normalement, les refs, on a la mention. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon, gros. On va baisser. Si j'ai pas la mission, allez, vas-y, allez. Comment j'ai eu 12 en français déjà? J'aurais dû avoir 8. C'est pas compréhensible. Attends, faut que j'invoque QB là. Attends. Le Moondras, en bas, en haut. Là, on croise Katon. Tu détends. On refait 1, 2, 3, 4, 5. La mention, on refait 1, 2, 3, 4, 5. Plus vite. Ta, 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 ta. Et là. Ouais. Ça va ou quoi? Bien. Là je suis en live, ouais. Direct. Là t'es en direct. C'est-à-dire là tu vas là, les gens ils te voient. Quel vibe! Délire là! Wesh! T'es où? Les joueurs Fortnite ou pas? Wesh!
Vas-y, donne-moi une manette là. Ah ouais, mais y'a pas la manette là. Y'a juste le clavier souris là. Attends, attends, je te mets le jeu. Attends, attends. Merci les frérots. Je te lance la game. Mais ouah, quel bail. Ouais, comment je cours tout ça? Tu vois là, t'appuies sur Z. Ouais. Q, attends, je te mets la cam, attends. Q, c'est à gauche. Ouais. Z, c'est pour avancer. Ouais. Ouais. D, c'est pour aller à droite. Vas-y. Ça va, les bonnes, faut... Oh là là, attends, ça lance. Vas-y, c'est-à-dire, je reste comme ça là. C'est-à-dire là, tu te mets comme ça et là, là, tu tournes ta tête, tu vois. Vas-y, c'est bon. Et pour courir, t'appuies sur Shift là. Mais tu vas galérer, hein. Si c'est la première fois que tu joues sur clavier. C'est quoi pour courir, t'as dit? Pour courir, c'est Z. Vas-y, c'est bon. Alors voilà, je vais me faire tuer. Hein. Et là, tu vas te faire allumer, hein. Tu vas te faire allumer. Là, il y a tout le monde là, mais il te voit deux minutes après là. Ouais, mais les gars, attendez, je me débrouille, frère. Ça va? T'es pas un bot là? Tu gères là. Et Shift, t'appuies avec ce doigt là. Shift. Pas le celle d'au-dessus, la touche du dessus. Oh là, là, t'as fait retour là, là, t'as... Attends, je te remets le jeu. Ah les gars. Si tu fais top 1, t'es le boss. Non. Wesh. Comment je fais pour qu'il se relève? Là, espace. Espace et tu sautes. Vas-y, c'est bon. Parce que toi, tu joues sur manette normalement. Ouais. Et tu fais des top 1? Ok. Moi, c'est mon petit frère, il est plus fort que moi. Ok. Donc ça va, t'es pas trop chaud quoi. Mais à Call of, je suis plus fort que tout le monde. Warzone, tu vois Warzone? Tu joues en hélico ou pas? C'est ça la vraie question. Pas trop. Je pense que... Mec, Warzone, c'est meilleur. Hein. Mais vas-y, Warzone, frère. Vas-y, tu connais les. Dès que j'apparais, on me tire de loin. Moi. Ah ouais, ouais, c'est chiant. Alors que c'est quand bien. Tu prends des captures de drapeau, là, c'est sûr. Ouais. Mais c'est plus tank, capture de drapeau, il y a trop de gens, tu risques trop la capture. Warzone, il y a plus de c'est gens. Mieux Battle Royale. Quand tu meurs, tu meurs. C'est mieux. Il faut être bon, hein. Ouais, ouais. Vas-y, hein. Bah. Merci beaucoup, hein. T'es chaud, hein. Le boss. Wesh. Gros, quel bail. Quel bail. Frère, il y a Combat qui est venu sur mon live. C'est quoi ça, gros? Attends, attends, parce que je crois que j'ai pas capté là ce qui se passe. What? What the fuck, gros? C'est quoi le bail là? Eh, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Hier c'était NASA. Oh, tous les jours il y a un rappeur en fait. Combat, le boss quoi. Putain. Wesh, qu'est-ce qu'il fout là? Mais j'en sais rien, gros. J'en sais rien. Saïd il a ouvert. Il est venu comme ça. Y'a Combat qui vient et tape une game. Quel bail la détail. Mec, par contre c'est incroyable. C'est incroyable ce qui vient de se passer. What the fuck? Mais Saïd il connaît tout le monde. Mais gros, j'ai pas capté moi. T'as Koba, il est là, il lance une game de Fortnite. Bon, il a pas joué parce qu'il a pas forcément le temps, tu vois. Mais wesh, la dinguerie. J'ai pas capté ce qu'il foutait là, moi. What the fuck, gros? Koba la détaille, gros. Koba la dé. Il a même pas joué, il a lancé la game, mec. Il était dans un zim, gros. Il a juste fait le lobby, il a fait ouais, c'est bon, clavier, ça m'a saoulé. Ouah, c'est trop, c'est un ouf. Je voulais prendre mon temps pour lui remettre les têtes. Allez, hop, allez, hop, hop, arène, solo. La première game, on va la gagner. Allez, regardez. Mais, ah, mais je sais pourquoi. Je sais. Ça. Ok. Mes chers viewers, mes chers potos, mes chers compatriotes, c'est actuellement là où ma haine est au maximum. C'est là le moment où je vais faire top 1, je le sens. À travers ces lunettes, je vois déjà le victoire royale à s'accomplir à mes yeux. Par contre, c'est bizarre de jouer avec des lunettes. Je vois le jeu en orange. Les gars, si je fais top 1, je m'achète des lunettes Cartier à la Maes. Rigole, c'est pas vrai. Par contre, si je fais top 1, je mets sur ma chaîne secondaire, je fais top 1 grâce à ces lunettes incroyables. Top 1 XXX, putaclic. C'est parti, les gars. Top 1 avec des lunettes, c'est maintenant Inoxtag. Salty Springs. Je dirais, j'ai pas d'expression du visage. On dirait, je suis en mode. Je fais trop le mec. Je sens bien les lunettes là, je les sens en moi. Je les sens dans mes veines. Le petit rôle pour évader toute la haine de la game. Là, je vais à ma maison fétiche. C'est Free Win. Et quand je vous dis Free Win, t'es Free Win. Fait quoi lui? C'est un streamhacker. Sale chien, va. Sale chien. Allez, hop. Les streamhackers, je les mange. Ça fait me tuer, je fais le mec. Allez, le pompe. Le pompe, les gars, on prie. Bon, oh, ouais. C'est gagné. Ça me rush, là. Et de 1. Et de 2. Les lunettes, c'est les lunettes. Y'en a un autre ou pas? Ça c'est les lunettes, je vous l'avais dit ça, je le savais. Et maintenant on enchaîne, c'est parti. On va chercher le grappin et c'est gagné les gars. C'est gagné le grappin et c'est gagné les frérots. C'est le top 1 qui est déclenché pour Inox. Oh, y'a un mec, j'ai entendu. Oh putain. Elle m'a fait trop peur. Il en reste un là. Ok, touché, 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 touché. Let's go. Et vous avez pas, il vous a pas fait trop peur lui les gars? Il m'a fait trop peur. Allez, c'est parti. Le grappin. Déjà 4 kills. Avec les lunettes, c'est mieux. Si je fais vraiment les lunettes, par contre, c'est une énorme blague. Si je fais...
fait vraiment top 1 avec les lunettes. Et c'est du jamais vu dans l'histoire de Fortnite Battle Royale. Y'a un mec là-bas, les gars, go, y'a deux mecs même. C'est parti, en mode vacaciones. En fait, faut être chill, détonce. Grappin man. Ah ouais. Il déconne pas, lui. Faut que je fasse gaffe, là. Va m'allumer. Si j'allume pas, il m'allume. Putain, mais il joue bien. Hein. Je joue bien le sergent. Je me casse. Les lunettes, elles me font... Elles me disent ce qu'il faut faire. Elles me disent que ça sent pas bon. Comment elle m'a fait mal? Oh, ça pue. Active ton Sharingan. Je vais activer mon Sharingan, attends. Attends, on va activer le Sharingan. La game des lunettes. Les gars, je veux voir des lunettes dans le chat. Des smileys avec des lunettes. Je veux voir mon smiley avec des lunettes. Oh. Oh. Je vais le piéger. Oh, la chatte. C'est les lunettes. Oh, les lunettes, j'ai sus. Les lunettes, les gars. Oh, les smiles, les lunettes, c'est vous qui me donnez de la force. C'est la chance qu'on a. Je suis riche. Ok, grappin. Air bleu, grappin. Air bleu, grappin. On va tout grappiner. On va tout grappiner là. C'est notre top 1. Y'a personne d'autre. Allez, check, il est là le mec. Check, il est là. On joue un autre mec ou pas? Elle est où la zone? On va voir où est la zone. Oh, là-bas y'a des mecs. Go, c'est parti. À la guerre. À la guerre, mon ref. Oh putain. Wesh. Mais c'est quoi ces lasers qui met? Wesh, mais non. Il triche. Il cheat, c'est pas possible de faire des trucs comme ça. On va se barrer de là, vite, hein, je peux te le dire, moi. On se barre, les gars, on se barre, on se barre. Mission top 1, hein. Faut pas l'oublier, faut pas perdre ça de vue. Je peux vous le dire que moi, on va vite perdre ça de vue, là, si je m'approche de... Vous y croyez ou pas au top 1, les gars? Je pense qu'avec les lunettes, vous y croyez un peu plus qu'avant, déjà, là. Vous voyez qu'on est bien parti. Faut juste trouver du heal. En heal, on est pas bien du tout. Là, vous y croyez, là. Là, c'est ma game, vous dites. Vous dites que c'est ma game, c'est que c'est ma game. Oh, mais les gars, je sens qu'avec les lunettes, j'ai un aura autour de moi. Je sais pas pourquoi, mais je sens que... Ouh, je me sens bien avec les lunettes. J'ai un bon karma. Ok, on est à 100. Maintenant, on peut aller rush des gens. Maintenant. Putain, il m'a fait peur. Ok, go rush. Objectif 10 kills ou pas? Il est low là. Mais wesh. Par contre, c'est un bouffon. Mais regardez le nombre de balles. Ouais, mais les gars, regardez comment je suis haut. Oh là là. Gros, il jouait sa vie lui, hein. Ok, c'est carré ça. C'est pas mal. We're good. Merci pour les GG, les gars. Allez, on enchaîne. Je vais aller chercher le colis. On va faire gaffe. On va aller prendre le colis. Oh, il l'a pris. Ok, j'arrive mon coco. Tu vas pas aller bien loin, t'inquiète pas. Je suis à côté de toi. J'ai faim en plus. J'arrive mon petit ref. J'arrive. Voilà, je t'avais dit que j'étais là. Karma ou pas? Le karma ou pas le karma? Le karma, on le mange ou pas le karma? Le chat. C'est les lunettes ça. C'est la puissance des lunettes. C'est parti, j'arrive. C'est parti mon kiki.
Voilà. Oh. C'est des bottes ça qui me font mal comme ça? J'ai oublié des poissons. Ils vont me saouler sinon. Je vais le tuer. Ça dégage. Dans un bush. Dans le bush, on le rush? On le rush ou pas? Oh non, on va pas rush, y a pas mal de gens. On va déjà recharger tout. Y a un mec là, dans la boîte. Attendez. T'inquiète, je te laisse tranquille. Je m'occupe d'eux maintenant. Let's go. Let's go! Voilà, là on lave le lobby! C'est les lunettes ça! C'est que les lunettes! On est à quoi? 9 kills? Allez, on continue. On s'arrête peu. Ok, ça craint là. J'ai plus de potes. Je vais aller sur le stuff là-bas. Je vais aller prendre des potes. On va pas prendre de risque là. Lui il était low par contre. Je sais où il est. On va lui mettre la pression. Regardez ce qu'on va faire. Ah, mais c'est lui de tout à l'heure. On le tue ou pas? Lui, je fais un peu la confiance avec lui. Hein. Let's go. Heureusement que j'ai posé le mur. Hein. Oh, il a la pote légendaire. Je la prends pas, ça sert à rien, les gars. Allez. On le suit. Mythique. Og mythique. J'aurais dû l'apprendre alors. Je savais pas que c'était une og mythique. Inox tag le ramasse-miette ou pas le ramasse-miette? Mais du coup maintenant j'ai la hauteur. Ah non, j'ai même pas la hauteur. Attends, mais je fais de la merde là. C'est de la merde, fais. Non, j'ai fait trop n'importe quoi. Non, je peux pas mourir là-dessus. Mais non. Mais non. Les lunettes. Mais non. Je peux pas mourir là-dessus. Mais je peux pas. J'ai failli gagner avec les lunettes.